Hey Jean, ouais. Je peux te poser une question? Mais c'est une question sérieuse. Hein. C'est quoi? Si quelqu'un trouve le remède, tu penses. Enfin, imaginons toi, tu trouves le remède du Covid-19. Tu en ferais quoi toi? Moi franchement. En fait le truc c'est que le gouvernement, c'est pas ce qu'on croit. Comment ça? Le problème c'est que tu sais, c'est comme au théâtre, il y a les coulisses et la scène, mais ce qui se passe dans les coulisses, tu le sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, c'est tout ce On qui te est montre juste l'image que tu qu'il faut que tu regardes, tu vois, mais ce qui se passe dans les coulisses, c'est autre chose. Donc moi personnellement, si je trouverais le remède, je ferai attention, vraiment attention, parce qu'on joue pas avec le gouvernement. Ouais. Tu comprends? Non, c'était juste une question comme ça. Hein. Bizarre, tu me dis un coup, tu me dis ouais, je viens pour jouer, je vais jouer au poker. Après, bah, je vais la ramener avec moi. Tu vois les gars, ils sont en confinement, tu me dis je vais jouer au poker. Dis-moi la vérité, frère. Tu caches quoi? Dis-moi ce que tu caches. Tu crois que je suis une balance ou quoi? Je suis marqué pour qui là? Le problème c'est que je te connais assez. Je sais que souvent tu me caches des choses. Donc comment je vais te prendre avec toi parce que franchement ton histoire c'est pas clair quoi. Tu me dis tu ramènes ta mallette, tu me dis tu vas jouer au poker. En fait. Mais tu penses qu'il y a quoi là-dedans? Franchement tu me déçois moi. Pourquoi? Il y a quoi dans cette mallette sérieusement? Un jeu de poker, je te l'ai déjà dit. T'arrives, tu fais à moitié la gueule. Je vois que t'as une mallette bizarre, tu me dis c'est pour le poker, là c'est le confinement. Les gens ils sont chez eux, tu me dis c'est pour le poker. Bah oui, on... Dis-moi que tu m'as menti, frère. Moi je te dis en tout cas, il y a un truc qui est bizarre. De quoi? Sache une chose, à la télé, ils parlent d'un gars qui a cambriolé le laboratoire. Tu vois ce que je veux dire? Non. Pas trop. Apparemment, il pourrait avoir le remède, c'est pas sûr, mais il pourrait avoir le remède. Si tu sais des choses sur le. Bah non. Si tu sais c'est qui a fait le coup ou pas? Non, bah non, je connais T'es pas. T'es sûr? Non, bah ouais. Non, parce que vu que tu connais beaucoup de monde, mais comment ça? Mais il y a bien un gars de ton quartier qui a dû faire le coup, sûrement, je pense. Bah non. Ah, c'est chelou. C'est bizarre. Ouais, écoute, je veux dire une chose. Écoute bien ce que je veux dire. Ouais, je t'écoute. Si l'armée, elle rentre dans le quartier, c'est foutu. Il y a tes gars qui sont foutus. Ils sont morts dans le film. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pourquoi viser le quartier? Comment ça? Il y a plein de... Qui peut faire ce coup-là? Qui peut faire ce coup-là? Un ministre? Un président? Qui? Mais tu vois ce que je veux dire? Ça parle en milliards, là. Oh, mais... Tu réalises le truc là? C'est pour le monde entier. Oh. Ouais. Quand sache une chose, si t'es dans le coup, c'est fini pour toi. Hein. Je te le dis tout de suite. C'est clair, c'est fini pour toi. Ils contrôlent tout le monde entier. Donc où que tu sois, ils vont te retrouver. Ils vont te retrouver, ça va aller mal pour toi. Je te garantis. Réfléchis bien. Entendu? Quoi? C'est quoi ce bruit là? Type qui surveille, je te dis. C'est pas possible.
Non mais là je pense qu'il y a un gros problème. Le type, il est pas là par hasard. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Mais je sais pourquoi il est là, je pense. Comment ça? Je pense que c'est pour moi. Depuis tout à l'heure, tu me dis rien, je comprends pas. Mais comment tu veux que je te dise ça? Comment je comprends ça? Pas. Tu veux que je te dise ça comment en fait? Explique-moi, tu peux pas me faire confiance. Quoi. Si, si, je peux te faire confiance. Je suis un bâtard, tu peux me faire confiance. Je suis un bâtard, non? Je te dis depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois le gars à la télé qui cambriole le laboratoire. Toi, tu me ramènes une mallette là, je sais pas ce que tu me dis. Tu me dis poker ou je sais pas quoi. C'est quoi le délire? Enfin, vas-y. C'est quoi l'histoire là, en fait? C'est quoi? Il y a un type dehors, caché là, en train de surveiller. Toi, tu me dis non, il faut pas que tu saches. Bah écoute, moi je veux bien te montrer ce qu'il y a dans la mallette, mais je suis le seul à savoir ce qu'il y a dedans. Il y a personne qui est au courant et tu seras la deuxième personne qui va être au courant. Franchement, je te dis la vérité. Non, ça. Non, attends. Non, franchement, attends. Là, ça craint. Cette mallette là, il n'y a que moi qui a vu là, ce qu'il y avait dedans. Dis-moi, s'il te plaît, que je sais pas ce que je pense. Ça dépend, tu penses quoi? C'est pas toi, t'es pas dans le coup, non. Non. Bon, vas-y, dis-moi ce qu'il y a dans cette mallette, vas-y, allez, dans la couche. Vas-y, passe pas par quatre chemins, dis-moi ce qu'il y a dans cette mallette. Et j'ai le remède. Quoi? Non, mais t'es sérieux? Ouais. T'as le remède, là? J'ai le remède et j'ai un flingue aussi. Falloir se débarrasser de lui, je te dis la vérité. Je crois qu'on est bon. Ouais, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on pense, c'est ouais. Bon, bon, voilà. Nickel. Est-ce que tu es prêt? Oh, mais t'es sérieux. J'ai reçu aussi un mot. Tu as le remède entre tes mains. Tu peux sauver le monde. Tu as le choix. Soit prouver aux gens qu'il existe, soit te tirer une balle dans la tête et ne pas sauver la planète Terre. Signé inconnu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Écoute, j'ai une solution. Je t'écoute. Il n'y aura pas de... 11 mm. 9 mm, 11 mm. Au mieux deux armes que une arme. Est-ce que t'es partant avec moi? Ouais, je suis partant. Ok, ça marche. Je l'assume, vas-y.